Inna alhamdulillah. En vérité, tu es louche pour Allah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. La paix et bénédiction dans le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, pitié du Créateur et sa bénédiction dans le tout. Pour moi, il y a quelque chose qui dit pour nous, comment nous dit, attire-nous l'attention. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, étant donné qu'il c'est la personne qui vient avec le message de l'islam, et surtout à partir de là, il y a beaucoup de monde sans même qu'ils ont tient-il le temps pour guider sur la vie, sans même pour tient-il le temps pour écouter concernant lui. Je ne finis beaucoup verdict l'Oli. Je finis pour préjuger l'Oli de beaucoup de façons. Donc c'est pour ça que nous continuons avec rappel concernant le messager de l'islam. Parmi les points essentiels, c'est que, après avoir qu'il nous finit l'île au désir, l'Ibo nous connaît qui les finit né, les finit prendre naissance. Comme un orphelin. Veut dire son papa qui finit décédé. En d'autres mots, de cela vie, il n'y a pas de gain pour crier une personne papa. Ensuite, c'est son dada qui prend ce chose, son grand-père paternel. Il prend ce chose. Veut dire, les enfants qui grandissent le désir, quand il retourne à case, il retourne avec grand-père, pour après 2 ans, ce grand-père s'y mort. C'est là, c'est ce tonton paternel, veut dire ça qui nous dit ce tcha-tcha, Abu Talib, qui prend lui sous son responsabilité. Il fait sa bonne transition. Là. Vous connaissez, pour une personne responsable, là-haut, veut dire qu'il connaît ou qu'il retourne vers lui, ou connaît ou un dimoun, comment nous dire qu'il peut débouter pour vous, il est pour autant de la vie. C'est pour ça qu'on trouve devant une situation qui est arrivée, un ménage de split, on trouve des enfants humiliés, s'il y a à côté maman, ou bien il y a à côté papa, il peut y avoir un débalancement avec lui. À partir de sa boutte-là, qui boutte, qui est le Créateur, c'est lui qui donne la vie, qui donne l'amour, l'infer, c'est lui qui dit plus content, grandit comme un orphelin. Qui fait? Parce que dans la religion de l'islam, orphelin, il a une grande place. L'orphelin, il a une de bonne plus grande place de la société envers un croyant. Par exemple, quand le Créateur peut dire nous, dans le chapitre Ad-Doha, « Wa amma al-yatima fala taqhar » Quand tu as un orphelin, jamais tu repousses-le. Quand il vient, quand il est capable d'avoir des enfants, il peut jouer, il peut faire rire, jamais tu repousses-le. Pareil comme ça même, dans le chapitre Al-Fajj, quand le Créateur peut causer le bon personne qui lui fait faire faveur aux autres, ensuite il finit retenir et arrête d'un autre, quand Ban Ki-moon a fait complainte, première chose que le Créateur rappelle aux autres, il dit aux autres, Kalla balla tukrimun al-yatim. Certainement non. Je n'ai pas fait aucune injustice avec toi. Il ne prive toi de bonne faveur. Parce qu'il y a une personne qui participe au nom de l'orphelin. Une personne qui voulait la réussite de ce ban du bien, une de ban du monde qui est bien plus proche, c'est les propres responsabilités, un orphelin. Vous connaissez quoi nous venons dire, sa personne qui paye la personne qui déboute de Yadila. Pour montrer nous plus encore, c'est que la personne là, un compagnon vient vers le prophète Mohammed, puis sur lui, il dit, ô messager d'Allah, mon sentiment qui est dur,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, passe tout la mélo la titane au filet. Celui qui est à l'intérieur des lits, un haut félin, une autre personne, il dit, passe tout la mélo sur la tête. Quand il passe la mélo sur la tête, il est allé virer les ghettos, il dit sa tendresse, depuis un papa, il n'a pas gagné. Il n'a pas fil, il n'a pas vivre. Avec sa rigole, là, il dit tout, moi, je dis, passe encore. Quand vous avez li œil pour œil, ça l'équipe là comment se vient, ça l'équipe là comment se vient nous. Donc, dans ce l'enseignement, depuis ce l'enfance, c'est lui qui donne la vie, l'amour, il fait ce prophète grandir comme un orphelin. Il finit une étape dans le désir, il vient avec ce dada, il vient avec ce tcha-tcha, à partir de là qu'il continue à rester, il fait une étape dans la vie, accompagné de ce tcha-tcha. Et ça, toujours, nous trouve le côté responsabilité, les retours côté papa, et le côté l'affection, les retours côté maman. C'est pour ça, quand il demande, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand il demande Omar radiallahu anh, un des compagnons du prophète Mohammed, quand une personne fait un mot, à qui ça là, nous donne ses enfants, il lui donne ce cas-là, il veut dire ce tante maternelle. Il dit parce qu'il y remplace une maman côté tendresse. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.